Good morning, allez Yiden, les tuteurs aujourd'hui, les Lunishmat, Amram Yona, Ben Khana, Peggy Bat Esther, Zabat Mazaltov, Shishportish, Simon Batlouni, Michel Novikov, et aussi Lirfouat Ruth Bat Claudine Traina, et Simcha Bat Masoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishta, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Perekret, Maserhet Shvuot, Perekret, Mishnah Gimel. Heichan Shori, Amarlo, Eni Yodea Matasach. Vehu, Shemet, O Nishbar, O Nishba, O Nignav, O Avad. Mashbiacha ani ve'amar amen patur. Hechan shori amar lo avad. Mashbiacha ani ve'amar amen. Ve'aidim meidin oto she'achalo, meshalem et hakeren, hoda me'atzmo, meshalem keren ve'chomesh ve'asham. Hechan shori amar lo nignav, mashbiacha ani ve'amar amen. Ve'aidim meidin oto she'gnavo. Meshalem tashlom kefel, hoda me'atzmo, meshalem keren ve'chomesh ve'asham. On a ici trois situations avec un shomer chinam qui va nier avoir reçu un taureau en dépôt à garder quoi. Et selon le cas, il va soit être patour d'apporter un korban, soit il va devoir apporter un korban et payer en plus de ça un cinquième supplémentaire. Ou soit même payer ce qu'on va voir, le kefel. Et on lit, on traduit, on explique. Heichan shori, où est mon taureau que j'ai déposé chez toi en gage, à garder? Amarlo eniodea matasach. Le chômeur, il fait la mauvaise foi, il me dit, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Moi, j'ai eu affaire à toi, j'ai jamais eu affaire à toi, ça va pas, non? Eniodea matasach, littéralement, je ne sais pas ce que tu racontes. Sach, ça vient comme le mot siach. Sicha, d'accord. Mais en réalité, bien sûr qu'il a eu affaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vehu shemet. En réalité, le taureau est mort au nishbar. Il a été cassé. Je sais pas ce que ça veut dire un taureau qui a été cassé tellement, mais en tout cas, il a été cassé. C'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien. Donc c'est devenu une évela. Au nishba, il a été pris en captivité. Au nignav, il a même été volé en cachette ou encore avad. Qui sont tout ça des situations où le shomer chinam et de toute façon dispensé de dédommager, d'accord? C'est-à-dire un shomer chinam, lorsqu'il garde un taureau, si le taureau se fait voler, il est dispensé. Juste s'il a une pchia, il a manqué à son devoir de fermer la porte à un minimum de protection. Mais si le taureau, en tout cas, il était nishba, nignav ou avad, il a été perdu, volé, il est mort tout simplement, alors le shomer chinam sera de toute façon. Donc il s'avère que ce shomer chinam, ce gardien non rémunéré, a menti, certes, en jurant. Il a dit, j'ai jamais eu affaire à toi, mais s'il avait dit la vérité, il aurait de toute façon été dispensé de payer. De ce fait, Mashbiachani, si l'autre lui a dit, je t'impose de jurer, Vamar Amen, et il a répondu Amen, comme ce qu'on a appris déjà, répondre Amen alors que quelqu'un nous assermente, ça s'appelle qu'on prononce soi-même la voix. Et bien, Amjen Osen, qu'il est pas tour, il sera dispensé d'apporter un korban. Un hacham gzelot des korban des shomrim. D'accord? Il sera dispensé d'apporter le korban hacham. Pour quelle raison? Parce que korban hacham, c'est une règle qu'on a déjà vu dans la Mishnah précédente, on ne l'apporte, le gardien l'apporte, uniquement si, grâce à sa shvoua, il se dispense de payer. S'il disait la vérité, il devait payer, et parce qu'il a menti en jurant, il a voulu par là ne pas payer. Lorsqu'il fera tchouva, il devra apporter le fameux korban de la shvoua tachomrim. Tandis que là, il était de toute façon dispensé, donc il sera dispensé. Il était dispensé de payer s'il disait la vérité. De ce fait, il n'y aura pas ici de korban. Bien sûr, il y aura peut-être une shvoua de bitouille, comme ce qu'on a déjà évoqué déjà plusieurs fois dans la Maserhet. Le simple fait de jurer à faux selon des critères différents, il devra éventuellement apporter un korban khatat olev yored, comme ce qu'on a appris déjà depuis le Père Guimel déjà. D'accord? Deuxième situation. Heichan shori, où est mon taureau? Amarlo avad. Il a répondu, oi, oi, oi. Il s'est perdu, il s'est égaré tout seul. Je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il avait disparu alors que moi j'avais fermé la porte normalement. L'autre lui dit, attends une minute, t'es un gardien, Mashbiachani, alors je t'assermente qu'effectivement t'as pris toutes tes précautions, t'as pas failli à ton devoir. Vamar, amen, il lui a répondu, pas de problème, amen, il a juré. Et en réalité, Vaedim, Meidin, Anto, Shachalo. Les témoins viennent et témoignent qu'il a mangé. Il en a fait des brochettes. Il a tout mangé en grillade hier. Alors quoi? Ben, puisque maintenant tu as juré, les Edim viennent et disent que tu t'as menti, d'accord? Donc, Meshalem et Takeren, pour le moment, il devra payer le capital.
il ne doit pas encore apporter de korban. Pourquoi? Parce qu'il manque la suite. Hoda me'atzmo, s'il reconnaît de lui-même, c'est-à-dire après que les témoins viennent et le condamnent et lui disent menteur, tu l'as mangé hier en grillade, alors il fait tchouva. Il dit ouais, c'est vrai, j'ai fauté, j'ai manqué à mon devoir, j'ai menti en jurant, c'est très grave, je veux faire tchouva. Alors Hoda me'atzmo, il a reconnu de lui-même. Dans ce cas-là, Meshalem Keren, Vechomesh, Vehasham. Il devra apporter rendre le keren, le capital, soit le taureau, il valait 1000, il devra donner 1000, et rajouter en plus de ça le chomesh, le cinquième. On a déjà évoqué que ça en réalité 250, c'est le cinquième mille bar. C'est un peu compliqué dans les calculs. On aura l'occasion quand on commence à les attacher à Maseret et Douyot. La deuxième Mishnah de Douyot, elle va déjà nous plonger dans la complexité des fractions de l'époque. Ouais, on expliquera le problème, d'accord? Le cinquième, ici concrètement on peut le dire, quand on dit le cinquième, c'est pas qu'il faut que tu prennes le montant du taureau et que tu rajoutes le cinquième. Il faut que tu rajoutes le montant suffisant pour qu'une fois que tu auras rejeté ce montant, ce que tu auras rajouté équivaudra à un cinquième du taureau. Soit en réalité, en fait, il faudra rajouter le quart du taureau. Quand tu vas donner le quart du taureau, alors il y avait quatre quarts initialement, tu as rajouté un quart, alors maintenant ce que tu as donné c'est un parmi les cinq. D'accord? C'est ce qu'on appelle calculer mille bar. C'est un problème d'expression, quoi. Oda me'atzmo, dans nos conventions, on n'a pas du tout de système. Je ne crois pas qu'on ait des conventions pareilles, quoi. Oda me'atzmo, meshalem keren v'chomesh v'acham. En tout cas, s'il a reconnu de lui-même, maintenant, il fait tshuva, alors il devra payer le keren, le capital, le chomesh. Alors, donner en plus de ça le cinquième, et apporter, bien sûr, son korban acham de acham gezelot. T'as volé en mentant, en jurant, alors tu devras apporter un korban acham en plus. Maintenant, troisième situation, donc c'est clair la différence entre la première et la deuxième. La première, c'est ce qu'on appelle miptour, liptour. La deuxième, c'est michiouv, liptour. Dans la première situation, il était de toute façon dispensé, il n'était pas tour, et il a menti en avançant une nouvelle cause qui le rendait de toute façon pas tour. Alors miptour, liptour, t'apporte pas de korban de jouat à Edout, de jouat à Picadon, jouat à Chamrim, à Cham Xelot. Mais par contre, si tu sais mi chiouv leptour, c'est-à-dire, si tu disais la vérité et que tu as manqué à ton devoir de le garder, et qu'en réalité, tu l'avais mangé par exemple, donc tu étais un voleur. D'accord? Ça marche. Troisième situation maintenant. Echan Shori, où est mon taureau? Amarlo Nignav. Cette fois-ci, il dit qu'il a été volé, mais de quelle manière? Comme ce qu'on a déjà appris, Gneva, en cachette. Soit il était chômeur chinam, et il lui raconte donc qu'il est dispensé de payer en théorie. Il y a eu un voleur qui s'est infiltré la nuit, j'ai laissé ton taureau dans le garage, j'ai bien fermé la porte, je suis monté dormir, et puis il y a eu un voleur qui s'est infiltré, qui m'a cassé la porte et qui a volé le taureau. Nignav. Majbiachani, il lui demande de jurer. Vamar, amen. Et il lui répond, ok, je jure. Amen. Il reçoit le serment. Vehaidim, meidin en toi chez Gnevo. Et les témoins témoignent qu'en réalité, c'est lui-même qui l'a volé. Il a mangé en grillade. Ouais, c'est pas qu'il s'est infiltré en cachette chez lui, c'était pas la peine. Que c'est en réalité lui qui l'a pris pour lui. D'accord? Alors là, il y a une halakha très particulière. Vous vous souvenez déjà, on a déjà évoqué plusieurs fois, la Gneva, de manière générale, un ganav qui s'infiltre volé en cachette, alors lorsqu'on l'attrape, il devra payer le kefel. Pour quelle raison? Il y a des raisons. La Torah, elle a dit, quoi, t'as peur? T'as peur des hommes et t'as pas peur d'Hachem. Tu crois que tu t'infiltres en cachette et tu voles. Et par là, personne ne te voit, sache qu'Hachem qui te voit. De ce fait, tu devras payer le kefel. Cinq nas, une amende que la Torah a payée. Elle a imposé de payer. Pour celui qui vole que en cachette, pas celui qui vole en plein jour. Celui qui braque en plein jour, eh ben, il a volé 1000, il rend les 1000 quand on l'attrape. Celui qui vient, qui s'infiltre, qui vole en cachette 1000, il devra payer 2000. Ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, on est dans la situation du shomer chinam. On a déjà évoqué ça dans la Baba Kama. D'accord? Le chômeur chinam, cette fois-ci, il était gardien. Et il a le droit d'affirmer que l'objet, il a été volé. Nignav, en cas, il a été volé en cachette. J'ai bien gardé. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est lui qui l'a pris pour lui. Alors là, il y a une halakha particulière que la Torah, elle a dit. Puisque tu as menti en racontant qu'il y a eu un voleur qui s'est infiltré, et qu'en réalité, c'est toi qui l'as pris pour toi-même, alors tu devras payer le kefel aussi. C'est une nouvelle forme de payer le kefel. D'une certaine manière, t'as dit qu'il y a un voleur qui est venu, on a vu que c'était toi, donc on fait le chidour. C'est toi le monsieur le voleur, donc tu devras le payer. Tu payeras le kefel. D'accord? Donc Meshalem, Tachlom et Kefel. Il devra payer le kefel, le double. Oda me'atzmo. Si avant que les témoins ne viennent,
Hoda Me'atzmo, il a reconnu lui-même son tort. Ouais, il a reconnu, il a eu un... il s'est senti mal, il a fait tchouba. Alors dans ce cas-là, il ne payera pas le kefel, il payera Meshalem Keren, Vechomesh, Vecham. Il devra de nouveau rendre le capital, ajouter le Chomesh, parce que ça, ce n'est pas un knas, c'est une capara, un rachat. Ouais, en français, ça se dit, je sais pas, chez les goyim, ça existe de faire le rachat dans la. Bref. D'accord, c'est ce qu'on fait un pidyon nefesh, c'est qu'on rachète quelque part, on rachète son âme, on rachète ses fautes, donc il devra rajouter ce chomesh, ce cinquième supplémentaire, de Hacham à porter son corban de Hacham Gezelot. Ok, on a fini la Mishnah, on fait très vite le partenora. Echan Shori Amarlo Avad. Où est mon taureau? Il a répondu, il a été perdu. Amar la Shomer Chinam. Donc, le Baratonor nous explique qu'on parle qu'il a affaire à, bien sûr, un Shomer Chinam. Parce que sinon, s'il lui disait Avad, il aurait été chayav de payer. Amar lo Avad, il a répondu, Avad, il a été perdu. Majbi Achani, je t'impose de jurer. Amar Amen. Il a répondu, Amen. Va'edi Medinoto Shachalo. Et c'est les témoins qu'il a lui-même volé. Meshalem et Akeren. Velo Kefel. D'accord? On est dans le cas de la Reij, de la Metsiata, le cas du milieu. Donc, les témoins viennent et dire que c'est toi qui l'as volé, il devra payer uniquement le capital, mais pas le kefel. Vim hodalo me'atzmo, il nous explique comment lire la Mishnah. Et s'il a reconnu de lui-même que c'est lui en fait, il fait tshuva. Ad shelo ba'u edim, meshalem keren v'chomesh v'hasham, kedin juret apikadon. Il devra dans ce cas-là ajouter le payer le keren et le chomesh et le hasham, comme le din de shvuat apikadon, comme toutes les shvuat apikadon. De ena ba'a ad shemode v'shav mirish ato ou baleit kaper. Que l'on apporte ce korban de Hacham sur la Shvuat à Pikadon uniquement si il reconnaît son erreur et que Shav Mirish Ato, il fait Tshuva, il achète la Shuv, Mirish Hachelo, il veut arrêter d'être un Racha, il veut faire Tshuva. Ou Balit Kaper, il vient pour demander expiation, alors on lui dira, ben paye le Keren, le Chomesh, le Hacham. D'accord? Il y a une petite difficulté dans Rashi, ceux qui ont fait attention, c'est qu'il nous précise Rashi qu'il a reconnu avant que les témoins soient venus. En réalité, la lachal est la même après que le témoin soit venu. Si toutefois, il vient aujourd'hui faire tshuva, on lui donnera la possibilité de payer le keren, de rajouter le chomesh. D'accord? Petite question, j'ai pas vu qu'on l'a soulevé. J'ai un peu préparé ce cours à la babi, tu m'en excuses, mais je suis obligé de le faire monter sur le site pour demain matin. Je suis un peu... D'accord. Amarlo Nignav. Il lui a répondu, là on est dans le cas de la troisième cas de la Mishnah, qui lui a répondu que Nignav, le Torah était volé, et donc il a fait jurer. Des shomer chinam apoter atzmo betanat gana venishba ou baou edim, car un gardien gratuit non rémunéré qui se dispense en disant que l'objet a été volé et qu'après il jure et qu'après viennent les témoins, meshalem kefel. La Torah lui a imposé l'amende de payer le double. Dirtiv, comme nous dit le pasuk, imloimatsa ganav. Si le... Ouais, c'est dans Parashat Mishpatim. Im lo imatzeh aganav, et si on ne trouvera pas le voleur, benikra balabalet el Elohim, im lo shalach deu, ben le chadreu, al kol dovar pishal, shalom al chamal, al samal, al kol avidah, shalom al kosé, asher yarshin Elohim, yashalem shnaim le reu, comme ça le pasuk dit. Ken, im lo imatzeh aganav, si tu ne trouveras pas le voleur, et alors tu viendras devant le juge et tu jureras, Imlo imatse, dainu, en fait, comme ça, Chazal explique. Imlo imatse, si on ne va pas réussir à trouver le voleur. Pour quelle raison? Imlo imatse, comme moi, Shamar, on ne l'a pas trouvé comme ce que lui l'a prétendu. Pourquoi? Et là, chez Watson, on a attrapé que c'était toi en réalité qu'il avait volé. Yeshalem Shnaim devra payer le double. Aval imbaliftor, atzmo betanat avad, et non meshalem kefel. Cas particulier, par contre, si ça, c'est uniquement lorsqu'il affirme que l'objet a été volé. Mais s'il affirme que l'objet a été perdu, alors dans ce cas-là, si on t'attrape, tu devras juste payer le keren et le chomesh, mais jamais le kefel. Le kefel, c'est que parce que t'es dit qu'il y a eu un voleur qui s'est infiltré, et qu'en réalité, c'est toi qui l'as volé, alors on te donne nechratz dino. C'est toi qui as apporté sur toi la condamnation d'être un voleur. Odame atzmo meshalem keren vechomesh vacham. S'il a reconnu de lui-même, il devra donc payer le keren, le chomesh, ajouter le chomesh, le cinquième, vacham. Et payer en plus de ça, apporter son korban hacham, aval kefel l'homme, il paiera plus de kefel, payer le double. Pour quelle raison? Raison toute simple, puisque c'est toi qui reconnais ton erreur, t'as pas été condamné par des témoins, c'est toi qui reconnais ton erreur, grande règle, modé biknas, patour, celui qui reconnaît qu'il doit en théorie payer une amende, il sera dispensé, comme l'exemple qu'on a toujours apporté. Si je vais raconter que j'ai brûlé un feu à la police, ils vont pas me dire, ah alors il faut que tu payes 1000 shekels parce que le pauvre feu il a été offensé. Non, c'est pas un dédommagement, c'est un knas, c'est une amende. Et on a une règle que le knas, une amende, on ne la paye que parce que des témoins sont venus me l'imposer, mais pas lorsque je reconnais de mon plein gré. De ce fait,
De ce fait, donc, lorsque j'affirme que ça a été volé en cachette, et qu'après je fais tchouva, je ne paierai pas le kefel, mais je paierai malgré tout le keren, le capital, le chomesh, le cinquième, parce que ça, comme on a dit, c'est un rachat, c'est une kapara. Et en plus de ça, porter le korban hacham. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, de tzlacha, kol tov, c'est là.